Bonjour les avancés. Aujourd'hui, nous allons faire un accompagnement, mais en jazz. Et la première façon correcte d'accompagner de manière jazz, avec la première règle à apprendre. La première règle à apprendre est simple. C'est que, avec notre main gauche, nous faisons toujours tonique et septième. Et qu'avec notre main droite, nous jouons toutes les autres notes. Et bien sûr, comme je vous répète souvent, ne pas doubler les notes. C'est très important. Or, j'ai choisi un chant qui est très connu, qui s'appelle All the Things You Are, qui fait partie des classiques. Ça fait cette mélodie. Attendez, pourquoi je me mélange? Ça donne là. Ce genre de mélodie. Là, j'ai fait du déchiffrage à vue, donc du coup, j'ai fait quelques fautes. Mais peut-être vous le connaissez. Et on va faire l'accompagnement. Je vous fais d'abord, pour que vous entendiez dans les oreilles, l'harmonie générale, pour que vous entendiez l'harmonie. Et après, je vous explique comment le faire avec les deux mains de manière juste. Mais là, je vais plaquer les accords pour que vous entendiez.
Ça, c'est l'harmonie. Maintenant, on va jouer cette même harmonie, mais avec la position des mains juste. Comme ça, ça donne déjà bien, hein? Mais on va mettre les mains juste. Alors, la main gauche, elle fait la tonique et la septième. La main droite fait le reste. Alors, je reprends. Ça commence en Fa mineur. De manière juste. Je ne double pas de notes et en même temps, si vous avez entendu, ça ressemble étrangement à l'autre. Sauf que j'ai pas doublé de notes. Donc du coup, c'est plus léger. Voilà, ça vous pouvez vous entraîner. C'est la manière correcte de jouer en jazz. Bon travail à vous!